Un moment plus tard, l'accordeur arrive. Comment tu fais, monsieur? Regarde, je tends la corde avec ma clé. Comment tu entends juste, monsieur? C'est mon oreille qui entend juste, Alexandre. Je crois que nous y sommes. Oh, merci, monsieur l'accordeur. La leçon peut enfin reprendre et l'après-midi se termine bien. Mais le soir, après le dîner, Zéphyr court voir son violon. Maintenant, la colle doit être sèche. Oui, ça tient. Arthur, Pomme, Fleur, Alexandre, mon violon est réparé. Ça y est, il marche très bien. Oui, mais moi j'en ai assez. J'ai envie de dormir. Moi aussi, j'ai sommeil. C'est vrai, tu nous casses les oreilles. Alors, on recommence à se disputer. Zéphyr, ce n'est pas une heure pour travailler ton violon. Tu auras le temps demain avant le concert. Il faut éteindre maintenant. Et Zéphyr a rangé son violon. Le lendemain, il se lève de bonne heure pour travailler. Il est tout à fait prêt pour le concert lorsque Cornelius arrive. Bonjour, mes enfants. Cornelius, je voudrais te proposer un changement à notre programme. Je t'écoute, papa. Voilà, vous savez tous que j'adore la nouvelle chanson de la vieille dame. Mais il y manque un petit quelque chose, il me semble. Pourquoi ne pas enchaîner, après les couplets, sur la vieille chanson des éléphants? Tous les musiciens sont ravis. La salle des fêtes ouvre ses portes. Tous les dromadaires, dondondaires, au beau cratère, c'est élémentaire. Et les éléphants, qui rhinocéros, nocéros, sont un peu féroces, mais ils n'ont pas de boss. Et les éléphants, les serpents, pitons, papillons, papillons, des gorgons, les ratons, et les papillons. Et les éléphants, les lions, crocodiles, dorodiles, on les rémobile, ne sont pas faciles. Et les éléphants, des éléphants, ils chantent tous ensemble, chantent tous ensemble, chantent tous ensemble. Pata, lidi, rapata, cromba, cromba, ripalo, pata, pata, pata.